Oh, être innocent. Tu perçois mon esprit dans le tien. Moi? Est-ce moi que tu appelles? Il fait sombre ici, je n'y vois rien. Prends mes vœux dans ton cœur. Être innocent. Dis-moi ton nom. L'ancien contrat nous liera de nouveau. Qui es-tu? Je ne suis pas la personne que tu recherches. Vite. Donne-moi ton nom. Le monde retombe dans l'obscurité. Donne-moi ton nom. Mon nom est... Cécilia. On va garder ça. Jeune fille, Cécilia. Laisse ton ego de côté. Le pouvoir figure dans le livre. Qui es-tu? Cécilia. L'être innocent. Cécilia. La classe est terminée. Que s'est-il passé? Ne fêtes-tu pas tes 17 ans aujourd'hui? Tu dois travailler ta concentration. Ne dois-tu pas retourner à Adelaide le jour de tes 17 ans? Notre avenir m'inquiète avec une princesse présentant des troubles mentaux. Eh bien, les gars, vous êtes sympas avec moi aujourd'hui. Les filles, j'ai envie de dire, non? Vous rentrez bientôt à Adelheid, n'est-ce pas? Vous devriez faire vos adieux. Ouais, je dois faire ça. As-tu terminé? Arrête de perdre du temps. Métis? Tout le monde sera heureux de te recevoir. Cécilia, tu pourras bientôt sortir de l'abbaye. Dorénavant, ta vie sera un perpétuel voyage. Il te faut procéder prudemment. Le cristal de la perle sésame est très beau. On dit qu'il renferme des pouvoirs spéciaux cachés. Hein? J'appuie sur la touche d'outil. C'est quoi son outil à elle? C'est l'espèce de goutte là. Une perle. Ok, elle a un soin. Elle a un sort de feu, semblerait-il. Ah non, en fait, ça va. On peut quand même assez bien enchaîner. Faut lâcher la touche à un petit moment. Et courir dans l'autre sens. C'est... ça fait un drift, quoi. Lila parle beaucoup, mais elle sait écouter aussi. Tu as travaillé dur, la magie n'a plus de secret pour toi. Pourquoi les statues dans la cour se tournent-elles le dos? Peut-être parce qu'il faut les changer de sens? Au hasard. Les gardiens sont au centre du culte de l'abbaye de Curan. Je suis ici pour apprendre la magie, pas pour prier des gardiens. Vraiment. Voici la guilde occulte. Tu peux assembler une magie simple. Essaie. Non magie. Ah, on peut changer le nom. C'est sympa, ça. C'est pour finir la traduction foirée. Tu n'as pas de porte-emblème. Ok. Quel sort veux-tu dissoudre? Non, aucun. On va éviter les boulettes d'entrée de jeu. Bienheureux qui vit au jour le jour. La lumière va te purifier. Arrête-toi ici quand tu veux. Lila? Oh, elle a mangé quelque chose qui l'a rendue malade. Si tu en ressens le besoin, tu peux te coucher dans l'un de ces lits, Cécilia. Va pas trop loin. Ouais, c'est Colette 10 ans avant. Cécilia, tu manges tellement. On devrait te surnommer la boulimique. Le grand mage de... Oui. Oui, plutôt, non? Je sais pas. Il y a des traductions, des fois, faut interpréter. Hein. J'ai commencé Crazy Score aujourd'hui, j'en suis à la scène de Tox, que du bonheur. Elle est trop bien. Bonjour Cécilia, le repas n'est pas encore prêt. C'est pas normal. Le chef, Jacques, est celui qui travaille à l'abbaye depuis le plus longtemps. Il doit en savoir des tonnes sur l'abbaye. Eh, ce n'est pas l'heure du dîner. Il parle de la scène sur le canon de Junon Omikami. C'est le souci du jeu, traduire la traduction. Ouais. Après ça va, ça reste quand même assez expéditif au niveau des dialogues, donc c'est pas très compliqué à capter quoi. Le remonte-temps permet de remonter dans le temps. Elle permet aussi de corriger les petits défauts liés au sort de magie. C'est une de mes cinématiques tout FF confondues préférées. La magie nécessite un cœur pur et esprit clair. Cécilia, bonne maîtrise du temps. Je sais que tu vas m'aider. Je voulais ranger les livres, mais j'ai fini par mettre du désordre. Je ne suis pas douée. Angie, la magicienne, a un remonte-temps magique. Cécilia, s'il te plaît, va chercher la montre d'Angie pour ranger la bibliothèque. La montre remontera le temps et remettra tous les livres en place. Ouais, je sais pas si ça se disait Angie, mais ce sera ainsi. Géo, l'emblème bleu, défense et création, le pouvoir de la terre. Feu, l'emblème rouge, attaque et destruction, le pouvoir du feu. Elle, l'emblème blanc, changement et richesse, le pouvoir du vent. Muse, l'emblème noir, adaptation et croissance, le pouvoir de l'eau. Ah, ne m'adresse pas la parole, je dois apprendre tout ça par cœur. Les forces de deux éléments créent un sort. Tu peux jeter ce sort à un porte-emblème. Là, prends mon porte-emblème, c'est mon cadeau. Certains ont la guilde occulte pour créer tes propres sorts en fonction de tes connaissances. Cool. T'as pas encore fait le remaster, Mikami? Tu vas voir, il est vraiment incroyable. Hein. Faut que j'aille à la guilde occulte qui est là, apparemment. Et il se passe quoi si je... Ah oui, je choisis un type de magie, ok. J'ai pas compris là. Non. Ça c'est blanc, et après augmente défense, absorbe magie. Récupère point de vie partiel allié. Mais on peut pas faire un de zone. Et là, il y a quoi? Aveugle les ennemis, attaque spirituelle au hasard. Examine les capacités, conjure le sort. Porte explosion groupe. C'est pas mal ça. Je vais faire ça, on verra bien. Hein. Blast. Ça, c'est assez clair. Ah, c'est celui que tu me conseilles? Ok, tant mieux. Parce que c'était trop tard sinon. Et il fallait voir l'autre à la bibliothèque. Elle était là, je crois. Voici la pierre gardienne. Elle réagit au pouvoir des gardiens. D'après mes observations, la perle sésame a quelque chose à voir avec eux. Donc, outil, près du bureau et sers-toi de perle sésame. Cela provoquera une réaction de la pierre gardienne. Si tu fais cela pour moi, je te donnerai mon remontant. Ok. La réaction est immédiate. C'est ce que j'avais prévu. Il existe bien un lien entre le cristal perle sésame et les gardiens. La perle sésame est le trésor caché de la dynastie d'Adelaide. C'est pour cela que la pierre a émis un rayon. Je vais pouvoir approfondir mes recherches. Je te laisse mon remontant, il est très utile. Ok. En utilisant le remontant, tu peux remonter dans le temps. Tu peux réparer les caisses détériorées et débloquer les objets coincés. Il est intéressant d'y avoir recours. Même si sa magie ne marche pas systématiquement. Est-ce que c'est un autre outil? Oui, carrément. L'autre. Bonne soirée, gars. Merci. Voici donc la montre d'Angie. Certain pour mettre de l'ordre là-dedans. Je m'en vais présenter mes excuses à Sœur Marie. Je reviens tout de suite. Cécilia, je compte sur toi, d'accord? J'ai horreur d'utiliser la magie dans ce but, mais... Bon sang, ce truc marche vraiment. Il reste encore un livre par terre. Être innocent. Laisse ton ego de côté. Je n'arrive plus à sortir de la bibliothèque secrète. Un livre m'a parlé, la même voix que dans le rêve. S'agissait-il de la bibliothèque secrète? Je me demande si elle se trouve dans l'abbaye. Base de la magie, veux-tu le lire? Oui. N'aie pas peur de l'échec, tu peux toujours dissoudre un sort. Religion des gardiens. Ils sont les protecteurs plaie de Filgaia. Même affaiblis, les gardiens vivent parmi nous, dans ce monde désolé. Toutes choses viennent du pouvoir des gardiens. Ça, c'est des livres pour moi, ça. 3 pages. Comme j'aime. Les 4 pouvoirs. Le dragon terre. Gourdieff. L'oiseau de feu. Moa Gold. Le tigre du vent. Fengalon. la Tortue d'eau, Stoldark, les 4 gardiens des éléments. Civilisation antique. Il y a des machines évoluées partout dans Filgaia. Parmi elles, beaucoup d'armes. Les scientifiques les appellent armes. Vous noterez que le S est en minuscule. Reliques anciennes, machines, armes. Ces armes et des vestiges d'anciennes batailles ont été découverts au même niveau. Un tract, ouais. Le livre. Veux-tu le lire? Ouais. Il y a environ 1000 ans, une race de démons de métal a détruit Filgaia. Gardien. Alors comment ça se dit déjà? Ellou, je crois. C'est ça, Ellou et humains ont gagné la guerre au prix de sacrifices énormes. Ça me dérange un peu de le prononcer comme ça. Hein. Lorsque les gardiens ont perdu leur pouvoir, la Terre n'a pas pu conserver sa force vitale. Les faibles ont dépéri. Les Ellou ont disparu à tout jamais. T'as 2 sorts de base, un heal et une boule de feu. Tu peux les dissoudre pour récupérer l'emblème pour faire des trucs plus péchus. Ok. Ce fut bien long, où étais-tu? As-tu réussi à voir quelqu'un? La bibliothèque secrète? Il a toujours existé une rumeur là-dessus. Elle appartiendrait à l'abbaye et recèlerait des textes interdits et effrayants. Si tu veux en savoir plus, demande à Sœur Marie ou l'un des anciens professeurs. Sœur Marie, le chef de cuisine et Lila, la pie, connaissent peut-être la bibliothèque secrète. Cécilia, merci pour ton aide. Le cristal de la perle sésame est très beau. Je l'ai déjà vu, elle. C'est donc un livre que tu cherches, c'est la bibliothèque secrète. Oui, et ce n'est pas un rêve. Un fantôme m'a parlé et m'a demandé d'aller le délivrer du livre. Sœur Marie, je me disais que vous pourriez m'aider. Un livre qui parle, et une grande ombre. Il existe bien une bibliothèque contenant de nombreux secrets interdits. Mais je ne saurais te dire où se trouve la bibliothèque secrète. Les gardiens ont fait appel à toi pour que tu trouves cette bibliothèque. Comme tu fais partie des élus, tu devras agir seul. Ben, on va la trouver avec la perle, puisque l'autre elle dit que c'est avec la perle. Bonne soirée, Quill. Merci. Ou alors c'est avec le roman de temps. Une bibliothèque secrète? Lila est une spécialiste du domaine. Pourquoi ne pas lui demander? C'est qui Lila? J'ai déjà oublié, moi. C'est pas elle, quand même. En général, les livres secrets sont gardés dans un endroit introuvable. Voilà, dis-moi plus. Non. Je vais forcément trouver l'info. Ce n'est qu'une rumeur, la clé ouvrant la porte est en fait lumière. Une lumière puissante et chaude, je ne sais pas en quoi cette lumière consiste. Sœur Marie, le chef de cuisine et Lila, la pie connaissent peut-être la bibliothèque secrète. Ok. Tu ferais mieux de t'adresser directement à Sœur Marie, plutôt qu'aux élèves. Je lui ai déjà parlé, peut-être qu'elle me dit un nouveau truc. Elle abrite peut-être de nombreux monstres. Fais attention que les gardiens te protègent. Et en fait, il faut vraiment leur parler plusieurs fois. Ils donnent d'autres informations. J'ai l'impression que c'est une mauvaise strat. C'est pas la clé est en fait lumière, c'est effet de lumière. Un truc comme ça plutôt. La cour a quelque chose d'étrange. Les statues deviennent légères pour certains, pour d'autres, elles sont aussi lourdes qu'une montagne. Ces statues ont vraiment quelque chose d'effrayant. Mais est-ce que je peux pas aller au centre d'ailleurs? Là, j'ai pas essayé. Je suis descendu ici, hein? Même pas. Ça m'a ramené à l'entrée, quoi. Je teste, hein. Oula. Je ne sais rien sur la bibliothèque secrète, mais je sais que les deux statues dans la cour cachent des interrupteurs. Je meurs d'envie de les actionner. Ah. Je les ai mal inspectés. La bibliothèque secrète? Une rumeur circulait à propos de deux mages qui auraient aperçu lumière en même temps. Ah bah c'est bon. Cette rumeur circulait il y a longtemps, je pense que c'est vrai. Les deux mages, c'est les statues. Tout simplement. Donc il me faut les deux interrupteurs pour qu'ils se regardent et puis déclencher un truc de lumière, là, la perle. Je ne fais que supputer, mais ça me paraît assez clair. Il y a un bouton, allez hop. Bon, ça n'a pas changé grand chose, mais... Ah, d'accord. Tchan tchan. Suivre les lumières. Je suis la nuit éternelle. Viens à moi, être innocent. Donne-moi ta lumière intérieure. T'as vu, c'est digne d'Alundra les puzzles? Non, t'es beaucoup plus aidé que dans Alundra. Hein. Alundra, t'as rien en aide. Ouais, j'ai fini Judgment, ouais. Faut juste que je monte les épisodes. On y est. Et ici, elle va se faire agresser. Une force mystérieuse a bloqué la porte. Un cristal bleu semblable à la perle sésame est incrusté dans la porte. Ça me fait un jeu de plus de terminer. Celui-là, ça faisait un moment que j'étais dessus. Hein. Et en même temps, les jeux que je fais en dehors des lives, là j'y joue pas souvent, j'y joue que le week-end. Et il y a des week-ends, je peux tout simplement pas jouer, donc j'avance pas beaucoup. Remède. Une magie carotte. 50 points de magie. Des PM, je présume. Y a pas d'ennemi. J'ai rien dit. Alors elle peut sans doute mettre des coups de bâton. Ah, ça coûte 8 ça quand même. Hein. Inspiration. Appelle pouvoir caché d'un objet. Ok. On va déjà essayer un coup de... Elle a quoi comme arme? Je sais même pas. Je veux juste voir à peu près combien ils ont de points de vie. Ouais, ils ont pas grand chose. C'est adapté par rapport au personnage, évidemment. Sinon, ce sera abusé. bizarre ça. Ah bah. Forcément. Les trois livres sont des portes. Ils sont appelés livres des portes. C'est comme le remonte-temps qui sert à remonter le temps. Ils nous prennent pas pour des teubés du tout dans ce jeu. La clé et la flamme ouvrent la porte et éclairent le chemin. Alors, vous êtes tous les livres. Le livre, le lien vital de la Terre. Veux-tu le lien? Oui. La vie sur Filgaia a été maintenue par un lien avec les gardiens affaiblis, par l'intermédiaire d'un canal appelé Rayon Lueur. Ce fut l'effort ultime des gardiens affaiblis pour aider Filgaia jusqu'à ce jour. Le cœur du démon. Ensemble, les humains et les Yul, je crois que ça va être les Yul, hein, ont finalement réussi à battre la reine des démons. Le cœur de la reine a été enfermé à jamais dans trois statues de gardiens. Le livre, la gardienne du désir. Les gardiens, les Yul et les humains ont combattu ensemble pour défendre Filgaia. L'une des gardiennes, la gardienne du désir, s'est ralliée au démon. Le fantôme de la gardienne du désir, une louve noire, a disparu avec la race des démons. Premier commandement. Le savoir peut être un guide ou un obstacle, selon la manière dont tu t'en sers. Deuxième commandement. Le savoir a un véritable pouvoir en cas de besoin. Cependant, il est parfois plus important d'agir selon son intuition. Troisième commandement. Trop de savoir peut aveugler le visionnaire. À aucun moment, il ne faut l'oublier. Ils sont où les sept autres, là? La dimension Yul. Peu après la guerre avec les démons, les Yul ont disparu de Filgaia. Ils ont utilisé leur dernier pouvoir pour déplacer une île, encore fourmillante de vie, dans une autre dimension. Leur destination est appelée la dimension Yul. Le gardien sabre. À l'époque la plus sanglante de la guerre, un Yul a forgé une épée d'une force inégalée. Cette épée est capable de faire passer le pouvoir des gardiens par sa lame. Personne ne sait si l'épée a servi pendant la guerre, mais c'est à peu près le moment qu'ont choisi les démons pour se retirer. Il ne fait aucun doute que le gardien sabre a joué un rôle décisif dans la guerre. L'énigme des Yul. La race énigmatique des Yul, la magie des Yul, était vraiment exceptionnelle. Leur spécialité était la magie biologique. L'une de leurs techniques était de convertir la force vitale en énergie pour se transporter d'un endroit à l'autre. La téléportation en somme. Ouais, il y a vraiment plein de bibliothèques là. Et c'est bien, ça file plein d'informations. Bon, c'est le moment de tester un sort, je crois. Hein. Même si ça coûte cher. Au moins ça OS. Parce que si ça n'avait pas été le cas, ben je l'aurais pas refait. Des magiques carottes. Le roi des monstres. Depuis la guerre des démons, il y a 1000 ans, de nombreux monstres sont nés dans toute Filgaia. Rago-Ragla, le roi des monstres, dort quelque part dans Filgaia. L'arbre de vie. Après la Grande Guerre, une énorme machine magique a été fabriquée pour restaurer la Terre. Cette machine s'appelait Yggdrasil, évidemment, d'après l'arbre des légendes. Les démons l'ont trouvé et ont volé les mécanismes qui redonnaient la vie. Au lieu d'utiliser le mécanisme pour créer une nouvelle terre, le chef des démons, Mère, s'en est servi pour engendrer des démons. Quête du paradis. Est-ce parce qu'ils n'ont pas d'ailes que les humains essaient sans cesse d'atteindre le paradis? La science paraissant sans limite, certains tentèrent d'atteindre le paradis depuis une énorme tour dédiée à la magie. D'un point de vue intéressant. Chute des étoiles. Un jour, un gardien essaya d'attraper la queue d'une étoile filante. Il vint s'écraser sur Filgaia avec l'étoile filante. Le gardien des étoiles, Ligudo Blade, dort-il toujours près de l'étoile filante, quelque part dans Filgaia? Quelque chose me dit qu'on va devoir partir à la recherche des gardiens. La magie cachée. La base de la magie des emblèmes est la combinaison de deux éléments pour générer de la magie. Il y a 32 sorts secrets élémentaires gardés par la guilde occulte qui sont plus puissants que les sorts normaux existants. Utilisation de la magie. Il est en principe impossible de jeter deux sorts en même temps. Le grand mage Di a inventé une méthode pour jeter deux sorts en même temps. Type de magie. Après de nombreux échecs, la guilde occulte a réussi à arranger les combinaisons d'emblèmes en 32 sorts secrets. Certains ont continué leurs recherches pour repousser les limites de la magie. L'arrivée. La légende aux 100 poèmes prédisait l'arrivée d'Angolmoa. Le demi-dieu Angolmoa viendra le jour, dit, pour tout détruire et tout recréer. On le considère comme l'être suprême. Si tu laisses l'écran titre, t'as des infos sur l'univers, pourquoi ce jeu? Je le mettrai dans la rediff. Gain de capuche. Ah oui, il a pas beaucoup de défense, elle, hein. Bon, on se pose pas la question quand il y en a deux. Je me suis trompé? Il semblerait. Ça ressemblait à un debuff, ça. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait ça? Bah si. Ah oui, d'accord, ça tape que les ennemis qui sont identiques, si je comprends bien. Après c'est pas très grave, j'ai plein de soins. Faut juste que je fasse gaffe quoi. En plus elle a le sort de soins. Est-ce qu'on peut l'utiliser d'ailleurs? Oui. Impeccable. Tiens. C'est pas anodin ça. Et où est-ce qu'il faut le mettre? Je vais déjà le poser là. Le gardiennisme ésotérique. Il existe une secte secrète de gardiennistes qui adorent le pouvoir des gardiens. Ces extrémistes croient en un retour total à la nature, par opposition à une vie en harmonie avec la nature, prônée par l'abbaye de Curan. Ils ont quitté la sécurité du monde pour propager leurs croyances, discrètement. Les anneaux de l'espace-temps. Ils contiennent un pouvoir qu'aucun humain ne doit posséder. Les anneaux de l'espace-temps sont le sceau qui maintient le bord du temps et de l'espace. L'anneau se compose de deux cercles parallèles. Un cercle désigne le nord-ouest, le sud-ouest, le sud-est et le nord-est. L'autre cercle désigne ouest, sud, est et nord. Ok. Kema. À l'ère de la création, une femme reçut un livre secret d'un messager des cieux. Ce livre contenait des informations sur la création de l'univers. Il paraît qu'il contient des théories sur l'alchimie et les voies du ciel. Est-ce que ce serait pas genre un livre un peu religieux? Ah, là normalement je peux utiliser le sort de zone. Yes. Certains bruitages me rappellent un peu Suikoden. Les bruitages de sorts dans Suikoden sont absolument dantesques. Surtout ceux de la rune noire, là, je sais plus comment elle s'appelle. Le désert de sable. La région désolée, appelée Court Sable, a pour origine une bataille contre la race des démons il y a 1000 ans. Les destructions massives ont détruit toute vie dans la région entière. La technique de force inspiration, c'est d'utiliser un objet sur le groupe entier plutôt que sur une seule cible. Ouais, j'ai vu que ça améliorait les objets. L'invasion des démons. Les démons ont des techniques grâce auxquelles ils voyagent dans le temps et l'espace. Ils ont aussi mis au point un dispositif technique pour transporter instantanément des troupes en un lieu éloigné. Les attaques des démons utilisaient cette stratégie. Les corps des démons. Les corps durs et froids des démons sont en métal. Leur corps de métal possède cependant les mêmes traits qu'un être biologique. Les mages anciens de l'art de l'alchimie ont étudié des démons captifs pour apprendre leur technologie. C'est ainsi que nous avons créé les golems. C'est quand même assez original, des démons de métal. Je trouve ça assez cool. Les Yul. Dans le royaume des Yul, les pouvoirs naturels servent de magie. Ils vivent sur le chemin de l'éternité. Ils ont de longues oreilles poilues, mais ils ont l'aspect humain. C'est vrai que ça correspond à des elfes, hein. Il a raison, la Jose. Personne ne sait pourquoi ils sont partis, ni où ils sont allés. Pourquoi dans le wiki, ils appellent pas ça des elfes, tout simplement? Armes humaines antiques. Les 8 golems ont été fabriqués par les humains il y a 1000 ans pour repousser la race envahissante des démons. Ils sont tous enfouis au plus profond des ruines. Une véritable étude de ces objets ne pourra être faite que quand les 8 golems seront déterrés. Pouvoir de la nature. Les gardiens usent parfois de leur pouvoir de faire trembler la terre et créer des éclairs. Mais cela fait partie de l'énergie nécessaire pour protéger la vie sur Filgaia. Magie du combat. Use des divers éléments pour renforcer ton pouvoir contre les éléments des ennemis. Ainsi, utilise le feu contre les monstres de glace pour augmenter l'efficacité de ton attaque. Ça va de soi. Je sens qu'il faut les amener par là. Ah, je me fais avoir à chaque fois. C'est mon dernier sort, sauf si je level up ou si je récupère des MP avec un objet. Et ben voilà, c'est fait. Je les ai empilés. Le troisième est au-dessus. Les pouvoirs cachés. Tout outil ordinaire possède un pouvoir mystique. Ce pouvoir peut s'exprimer en fonction des capacités psychiques de l'utilisateur. La nouvelle lune. L'autre lune qui flotte dans le ciel nocturne brille de sa pâle lumière sur la surface de Filgaia. Certains disent que c'est le castel des démons et qu'il est fait d'argent magique. Il n'y a aucun moyen de le savoir maintenant. Les gardiens perdus. Jadis, lorsque les gardiens représentaient la nature humaine élémentaire, il y avait 3 gardiens responsables des hautes énergies, au-delà des énergies de base. Ces 3 gardiens étaient chargés de ceux qui vivent leur vie en accord avec leurs énergies. Il s'agissait du gardien du courage, qui donnait le pouvoir de se dépasser, du gardien de l'amour, doté du pouvoir de protéger ce qui est précieux, et du gardien de l'espoir, qui avait le pouvoir de croire en l'avenir. Autrefois, ces 3 énergies existaient dans tous les cœurs. Aujourd'hui, on a oublié le sens de ces énergies. Le continent oublié. Le cercle de la grâce a oublié cette terre. Notre continent sera finalement dévasté. Ok. Optimiste les gars, hein? Il n'y avait pas 36 solutions. Hein. On est très loin d'Alundra pour les énigmes pour le moment, Nato. Hein. Ouais, je dis pas, hein, peut-être que par la suite ça va être plus compliqué, mais pour le moment ça va. Hein. Ah non, les MP sont pas comment dire, rechargés quand on pex. Oh, c'est chaud. Bon, les livres, on sait qu'on peut les taper au bâton. Et ceux-là, ils font pas très mal. Mais attends, c'est quoi ça? C'est une espèce de chauve-souris humanoïde qui miaule quand on la tape. Ça fait brûler des livres, Tox, et je te ne pardonnerai jamais. Tant pis, hein. Je m'en remettrai, va. Hein. Les gardiens. Personne ne sait vraiment qui sont les gardiens. Ils n'apparaissent que dans les légendes. 2. Le Metallica. Un sceau magique l'empêche de s'ouvrir. Il parle du livre, là? Je pense, hein. Ça sent le boss. Le monstre livre. Un humain qui veut toucher le livre interdit. Je vais réaliser ton souhait, te mettre dans mon histoire. Tu n'es pas le fantôme qui m'appelle par hasard? Je suis pas sûr. Fille de la voix de la magie, deviens la chair de ma chair dans le livre interdit. Oh, il fait des rimes. Ça va, 15. Je pense que ce sera pas très utile, du coup, c'est son inspiration. Sauf si ça augmente la puissance d'un objet de soin, mais de toute façon, ça rend 200 points de vie ou 250. Donc pour le moment, ça me rend plus que ce dont j'ai besoin. Ça va peut-être pas durer. Ouais, quand on sera en groupe, ça sera utile. Prochain coup, on se soigne. Putain, le jeu est vraiment pas beau quand même. Hein. Mais à l'époque, on devait quand même trouver ça correct. Hein. Condition Green. Ça fait quoi ça? L'espèce de doigt là. Qu'est-ce que j'ai en objet d'ailleurs? Ouais. Bon, elle a pas l'air spécialement dangereux, sauf s'il a une autre attaque qu'il n'a pas encore déclenchée. Ah oui, c'est expéditif. Le fantôme de mon rêve. Je suis Stoldark, gardien de l'eau. Depuis une éternité, le démon Nel-Gaul me tient enfermé dans ce terrible livre. J'attends depuis longtemps l'être innocent ayant reçu l'esprit des gardiens. L'être innocent? Moi? Le monde est sur le point de replonger dans les ténèbres. Être innocent, entends-tu la colère de la terre et du vent? Les cris de la mer et du ciel? Fais de moi ton armure, être innocent. Je te protégerai dans ta lutte pour la vie. La lutte pour Filgaia recommence. Tout commence avec Lolithia. L'histoire a l'air vraiment cool, ouais. La rune Aqua. Ok. Lolithia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le doigt, c'est pour changer l'ordre du groupe. Ok. Bienvenue, Cécilia. Maintenant, tu connais les responsabilités des femmes dans la dynastie Adelheid. Les descendantes de la dynastie Adelheid ont les mêmes pensées que les gardiens. Elles doivent porter le fardeau de leur destinée avec elles pour le reste de leur vie. Personne ne peut comprendre la douleur et la contrainte que tu dois endurer. Mais on peut t'aider à les supporter et te faciliter la vie. Cécilia, certains parviennent... Je peux le temps. Qui implique le destin. Quitte fièrement l'abbaye, tu dois suivre ta propre voie désormais. Va, tu es l'être innocent que les gardiens ont choisi. Oui, mère. Les gardiens de la légende ne se sont adressés qu'à elle, sans un bruit. Les roues du destin ont commencé à tourner. Le chemin qu'elle a suivi par le passé était guidé par son environnement. Elle savait qu'un jour, elle devrait se frayer son propre chemin vers l'avenir. L'être innocent dont parlent les gardiens. C'est peut-être un trop lourd fardeau d'être la sorcière du pouvoir suprême à un âge si tendre. Ok. Ben on va rejoindre les deux autres là. Et puis on va continuer. Mais en passant sur Rudy. Je pense que c'est au nord-est du coup. Voilà. Mais même là on peut courir. C'est merveilleux. Mais non! Oh là là, un accident s'est produit, le tombeau de Lolithia. Faisons appel à Emma, ce n'est plus de notre ressort. Non, vous vous trompez, nous devons d'abord porter secours aux blessés. Ok. Un chasseur de rêve est un libre comme l'air, est libre comme l'air. As-tu des infos sur Lolithia? Ah, c'est marrant ça. Ça te met où il se trouve en fait, je pense.